Toujours des bonnes victoires à prendre pour le moral, pour la confiance, un large succès sans trembler ce soir. On enchaîne, c'est notre troisième victoire d'affilée. Donc c'est plutôt bien. Ça, on peut se dire qu'on enclenche une petite série. Donc c'est pleine confiance pour nous. On s'était dit un peu avant le match, et quand on a vu la compo sortir hier soir et ce matin, bah, qu'ils alignaient quand même quasiment leur meilleure équipe avec les joueurs. Voilà, qui comptait pour eux et qui sont plutôt efficaces, notamment la semaine dernière contre Valence. Donc on était entre guillemets avertis, on voulait pas reproduire le match qu'ils ont fait à Biarritz, où ils ont bataillé tout le match et jusqu'à la fin ils avaient la possibilité de gagner. Donc on voulait faire une grosse partie, nous gagner encore un petit peu plus en confiance. Aujourd'hui c'est fait, c'est 5 points, en plus on a la chance où on a bien travaillé pour garder notre but. Sans essai et également nos protos, donc c'est une bonne chose. Ouais, les avants, c'est le genre de match qui fait du bien, un match comme ça pour vous ce soir. Ben, on va dire que depuis le début, on alterne un peu des hauts, des bas, on se remet beaucoup en question parce que un coup c'est la touche qui marche pas, un coup c'est la mêlée qui marche pas, il y a des périodes comme ça. Alors tout n'a pas été parfait aujourd'hui, mais on va dire qu'on se met dans le match grâce à deux touches qui sont proches de la ligne. Ça a été un peu notre défaut depuis maintenant quelques temps, où dès qu'on a des ballons pour scorer et pour appuyer un petit peu, on les perdait ou du moins on mettait pas de points. Donc aujourd'hui, ça nous permet de lancer le match. Voilà, j'ai écouté Vincent et Chetou qui disait que malgré qu'on n'ait pas produit grand-chose sur la première mi-temps, mais ces deux essais nous ont permis de nous mettre en confiance totalement. Et c'est sur quoi on a appuyé un petit peu plus en deuxième période également. Tu avais le numéro 8, un petit commentaire perso sur le temps que j'avais pas dit ce numéro. Bah, je suis content, ça me rappelle à la fois des bons et des mauvais souvenirs. Voilà, y a de tout, mais c'est un poste que j'affectionne. C'est un numéro avec lequel j'ai joué petit et on va dire où je me suis lancé ici. Donc plutôt content d'avoir retrouvé un peu ce poste-là. Je pensais pas autant, mais des tâches différentes, un peu plus de ballons. Voilà, j'étais plutôt content. Maintenant, voilà. Si c'était amené à refaire dans la saison, avec grand plaisir. Voilà, mais il y a de la concurrence et on voit qu'aujourd'hui, on a un effectif sur lequel on peut compter. Des joueurs qui n'ont pas joué depuis quelques temps, qui ont été efficaces. Des joueurs qui étaient remplaçants, qui étaient titulaires aujourd'hui, qui ont fait un bon match. Et inversement, donc c'était un peu l'objectif aussi de la semaine, de donner du temps de jeu à ceux qu'on avait eu un peu moins et de faire reposer, entre guillemets, ceux qui avaient beaucoup de temps de jeu, mais sans baisser de niveau et sans baisser de volume. Je pense qu'aujourd'hui, c'est tâche accomplie et c'est plutôt une bonne chose pour la suite.